Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Lutte, argumentation. Une personne cherche à faire valoir son point de vue. Continuons avec une autre carte. On se chicane, l'autre écoute, on veut être entendu, une personne veut être entendue. Il y a une lutte. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour moi, cette carte représente une belle journée, mais en ce moment, on dirait qu'il ne fait pas beau. Bon, le temps, on n'a plus beaucoup de temps. On attend l'arrivée de quelque chose, mais on dirait qu'on nous dit qu'on ne peut plus attendre. Il manque de temps. On n'a plus de temps. On doit cesser d'attendre. Continuons. Allons-y avec. Une carte sur celle-ci, où il y a argumentation, une personne qui lutte. Attitude. OK, c'est le comportement. Attitude. Donc, il y a une lutte, un combat. Allons-y avec cette carte de la journée. Mais on dirait qu'il ne fait pas beau. On dirait qu'on n'a plus le temps d'attendre. Je vais explorer plutôt cette zone. On n'a plus de temps à perdre. Il y a quelqu'un qui lutte. Donnez-moi une minute. On n'a plus de temps à perdre. Enfant, vous voulez me dire quoi? Et tout de suite après, chef. Enfant, chef, joie. Prendre, chagrin. Devoir. Mentir. Quelqu'un a dû mentir à répétition. Abus de confiance. Habitude, viol, habitude. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans le trouble, qui va peut-être avoir besoin d'une personne de bons conseils. Sage homme, douleur résistée, se retrouver seul. Ouf, je pense qu'il y a tout un message ici, là. Donnez-moi une minute. Allons-y tranquillement, pas vite. Bon, enfant, l'arrivée de l'enfant, c'est spécial. On dirait qu'un enfant va naître. Il va y avoir une naissance. Un enfant va naître, va arriver au monde. On attend l'arrivée de l'enfant. C'est spécial ici, on dirait que c'est ce que je vois. On n'a plus de temps à perdre. Oui, quelqu'un va accoucher. On attendait l'arrivée, l'enfant. C'est une naissance ici. C'est vraiment ce que je ressens. L'enfant arrive. Donnez-moi une minute. Bon, ici maintenant. Chef, joie, prendre. Bon, là, il y a une autre histoire. On nous met en contexte. Chef, joie, prendre. Ici, j'ai l'impression de rencontrer chef. C'est l'énergie d'un père. Une personne en situation de pouvoir, joie, j'ai l'impression qu'on prend l'enfant. C'est spécial, hein? C'est ce qui me traverse. On dirait que ces cartes sont en lien avec l'enfant. On prend l'enfant. Il y a de la joie. C'est une naissance, ici. C'est une naissance. C'est ce que je ressens. Ça se présente. Chagrin, devoir mentir. Ici, il y a autre chose. Chagrin, devoir mentir. Là, à vous de voir si les messages sont en lien. On nous présente cette mise en scène. De voir quelqu'un ici est triste. Cette personne a dû mentir à répétition. Viol, habitude. On se retrouve dans le trouble. Donc, cycle et viol. Bien, viol. Non-respect des limites.
Abus de confiance, mentir, cycle, viol. Habitude de mentir, abus de confiance. Quelqu'un est triste, a dû mentir à répétition. Homme sage souffre. Il ne veut pas se retrouver seul. Homme qui a probablement manqué de sagesse, qui a probablement manqué de discernement. Homme sage qui a manqué de discernement, qui souffre et qui ne veut pas se retrouver seul. Résister seul. Résister à la douleur. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas se retrouver seul. Il a dû mentir à répétition. Ça en était devenu une habitude. Ici, il y a une personne qui a dû mentir à répétition. Ça en était devenu une habitude. Il y a du chagrin. Sage homme. Ça me fait penser à sage-femme. C'est spécial. Il y a une naissance en cette guidance. La naissance de l'enfant. On dirait qu'il y a un accouchement. Quelque chose va arriver au monde. On pourrait me présenter, quand je dis quelque chose, on pourrait me présenter une vérité qui va être exposée, qui arrive au monde, et à la fois, j'ai l'impression de rencontrer un accouchement. La carte de l'enfant, attendez une minute. L'enfant. L'enfant va naître. La carte de l'enfant. La carte de l'innocence, de la clarté, de la confiance, de l'honnêteté et de la vérité. On dirait qu'une vérité va arriver au monde. On va voir clair. On va voir clair. Oh, attendez. On a refusé. Il y avait la carte ici, deux cartes. On a refusé son amour. On a rejeté ou on a fermé la porte à l'amour. L'enfant s'est présenté. On l'a rejeté. On lui a fermé la porte. On a fermé la porte à la carte de l'enfant pur. Non à l'amour. On a plutôt choisi le mensonge, la voie du mensonge. Et quelqu'un est triste. Devoir mentir, qu'est-ce qui t'obligeait de mentir? Qu'est-ce qui t'obligeait à mentir? On a dû mentir à répétition, transgresser des règles, des lois, viol, abuser. Viol, habitude. Donc là, on se retrouve dans le trouble. On a rejeté l'enfant. On a fermé la porte à l'enfant. Pur. À la carte. On a fermé la porte à la carte de la pureté, qui représente l'honnêteté, la vérité, une personne de confiance. C'est la carte de l'innocence et l'amour. C'est comme si on t'avait présenté l'amour, mais tu as fermé la porte à cette personne qui a un cœur pur. Donc, il y a quelqu'un qui a choisi, qui a dû, parce qu'on a devoir mentir. Je ne sais pas ce qui t'obligeait à choisir la voie du mensonge. Devoir mentir. Allons-y avec une carte. Bon, devoir mentir, et on nous présente
la consultation, le médecin, le professionnel de la santé. Devoir mentir en consultation, devoir mentir au médecin, devoir mentir au professionnel de la santé, devoir mentir sur notre santé, sur notre état de santé, devoir mentir. Il y a quelqu'un qui a des troubles de santé, à quel niveau? Il y a quelqu'un qui est triste. Devoir mentir au médecin, devoir mentir à quelqu'un qui travaille dans les soins. C'est peut-être aussi cette personne qui a dû mentir. A dû mentir. Bon. Il y a quelqu'un ici qui se retrouve dans le trouble. Sage homme, douleur, résister. On ne veut plus souffrir, résister à être seul. Et on se rappelle, au tout début, il y a quelqu'un qui lutte, qui cherche à prouver quelque chose. Je vais te prouver quelque chose. Je vais te le prouver. Il y a quelqu'un qui écoute attentivement. On dirait que c'est quelqu'un qui veut prouver une vérité, ou ce qui en est, qui a quelque chose à dire ici. Je vais te le prouver. Continuons. Donc, il y a quelqu'un, devoir mentir quelqu'un. Ça se peut très bien aussi là, que ce soit quelqu'un qui est dans les soins, qui a dû mentir, cycle, viol, habitude, ennui. Ah, il y a quelque chose là. Et on est triste. Sage homme, vous voulez me dire quoi? D'après moi, c'est un homme qui a manqué de discernement. Un homme sage qui a manqué de discernement. Un homme qui souffre. Résister à la douleur, résister à la souffrance, résistant à la douleur, résistant à la souffrance. On dirait que c'est un homme qui a un fort contrôle. Résister à être seul, ne veut pas être seul. Ici, c'est masculin. Ici, il y a une relation, là. Devoir mentir. Soit que c'est une personne dans les soins qui a menti, soit qu'on a menti en consultation. On a caché une vérité. Devoir mentir concernant notre état de santé, santé physique, mentale. Devoir mentir, et c'est à répétition. C'est quelqu'un qui ment à répétition, qui abuse de la confiance à répétition. Je ne sais pas si on me présente un mythomane. Sur homme sage, maintenant, vous voulez me dire quoi? La vie. C'est un homme sage de nature. Homme sage de nature. Ancrage. Homme sage de nature. Qui aime le vrai, l'authenticité, la nature. Le vrai. Homme sage souffre. Douleur. Résister ne veut pas être seul. Résister à être seul. Peur d'être seul. Résister à la douleur. On ne veut pas souffrir. On a peur d'être seul.
On ne veut pas souffrir, on a peur de se retrouver seul. Homme sage de nature. Ici, on dirait qu'il y a deux personnes dans cette zone. Homme sage de nature. Allons-y avec une autre carte vers le mot douleur, résister et seul. Concernant cet homme sage de nature, il ne voulait pas quoi souffrir. Éclatement, le verre s'est cassé. Il y a un éclatement. Peur de l'éclatement, peur de... On dirait qu'on est sous le choc. Quelque chose s'arrête. Policier, limite, stop. Quelque chose doit s'arrêter. Loi, règle. On pourrait penser aussi à arrestation. Quelqu'un est découragé. Quelqu'un est découragé. Terrain de jeu, signature, des personnes vulnérables. On fait signer des personnes vulnérables. Regardez, enfants. Enfants, des personnes innocentes qui te font confiance. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il y a une histoire de fraude qui revient. Il y a quelqu'un ici qui va être arrêté. Un homme sage de nature qui a manqué de discernement. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. On ne peut plus oser, on ne peut plus. Limite, règle, loi. Faire signer. Le terrain de jeu est représenté par la présence des enfants. Personnes innocentes, vulnérables, qui te font confiance. Il y a quelqu'un qui a profité, qui a abusé de la confiance de personnes vulnérables. Des personnes qui lui ont fait confiance. Là, on tourne. Il y a quelque chose qui revient. On dirait qu'il y a le retour de quelque chose. Ça ne peut plus continuer. Donc, on a fermé la porte à la carte de l'amour pur. On a choisi la voie du mensonge, de l'abus. Abus de confiance, fraude. Ici, ça va s'arrêter. On a rejeté l'enfant pur. Vrai. La personne honnête, vraie, on l'a rejetée. On a refusé son amour. Et il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à prouver. Je vais te le prouver. Donc, quelqu'un est triste. Ici, c'est spécial. On dirait qu'il y a une personne qui l'a pris, l'enfant. Chef, joie, prendre. Il y a quelqu'un qui a accepté. Attendez. Chef, il y a quelqu'un ici en situation de pouvoir qui l'a pris, l'enfant. Beaucoup de joie à prendre la carte de l'enfant. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte à l'enfant. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'a fermée, qui a fermé la porte, qui a dit non à l'amour de cet enfant, de cette personne qui a un cœur pur. Donc là, ça va s'arrêter. Une histoire de papier, signature, engagement, terrain de jeu, personnes vulnérables, innocentes, qui font confiance et on abuse de leur confiance. Donc aujourd'hui, il y a éclatement. La vérité éclate. Devoir mentir. On a dû mentir. À répétition. Devoir mentir à répétition. Il y a vraiment quelqu'un qui a des troubles de santé.
ça en était devenu une habitude d'abuser de la confiance du monde, des personnes au cœur pur. Homme douleur ne veut pas être seul. Homme sage de nature, c'est spécial, hein? Homme sage de nature qui a manqué de sagesse. Qui a manqué de discernement. Et aujourd'hui, ça éclate, la vérité éclate. Le temps revient. Le temps. Quelque chose du passé qui revient. Le retour. Un retour dans le temps. On fait un retour dans le temps. Il est temps de retirer une leçon de ton passé et d'aller vers une transformation. Quelqu'un a le cœur brisé. Oui, il y a une ruse, manipulation. Quelqu'un a le cœur brisé, c'est la personne qui a été manipulée. En même temps, attendez. Chagrin. Cœur triste, cœur brisé. Le passé qui refait surface. Cœur brisé. Serpent, manipulation. On coupe, on met fin à la ruse du serpent. C'est le passé qui refait surface. Un retour dans le temps. On a besoin de retourner dans le temps pour transformer quelque chose. Il y avait un nœud bloqué dans le temps. Donc, on dirait qu'on a fait un retour en arrière pour découvrir la manipulation et la ruse du serpent. On a dû retourner dans le temps. Et quelqu'un a le cœur brisé aujourd'hui, est très triste. Une vérité qui fait mal. Une vérité qui fait mal. Chagrin m'attire. Je vais demander une carte sur chagrin. On n'a pas le goût de... On n'a pas le goût de manger. Il y a vraiment quelqu'un qui perd l'appétit, qui n'a pas le goût de... Et si c'est la carte... il y a vraiment quelqu'un... Bon, il y avait une histoire de compétition. L'infirmière qui revient. Une infirmière en rivalité. L'infirmière est la personne qui prend soin. On revient encore avec le côté soignant, prendre soin, mais en fait, on nous présente une personne qui était en rivalité. Il y a une histoire d'argent ici. En rivalité. L'infirmière, la personne qui prend soin, craint. Il y avait rivalité, compétition, une histoire d'argent. Ici, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui est très triste, qui a le cœur triste, qui a découvert la ruse du serpent. Il a fallu retourner dans les mémoires du passé. Reculer dans le temps. On a reculé dans le temps. Donc, il y a quelqu'un ici qui avait quelque chose à prouver. Je vais te le prouver. Il a fallu retourner dans le passé pour découvrir la ruse du serpent. Donc, ici, quelqu'un est très triste. Il y a un éloignement. Un départ, une fin d'une situation. Ici, quelqu'un regrette, se sent coupable, a honte. Il y avait une rivalité, une compétition pour une histoire d'argent. Il y a eu une ruse. Quelqu'un a le cœur brisé. Une ruse pour une question d'argent, une manipulation. Pour une question d'argent. Oui, la rivalité. On ne veut pas perdre, on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre la somme, on ne veut pas perdre l'argent. Toute une magouille là, qu'on me présente. Ça va s'arrêter. Terminer cette histoire. Parce qu'il y a une mise en lumière. Donc, quelqu'un n'a pas d'appétit aujourd'hui.
S'éloigner, une relation prend fin. Quelque chose arrive à sa fin. Une personne a honte, regrette, se sent coupable. C'est ce que je vois. Changer de route, on s'éloigne d'une personne, c'est fini, il y a une séparation. Chacun sa route, chacun son chemin. On a peut-être gagné une somme d'argent, mais on a perdu une personne, la confiance d'une personne. On a perdu une personne proche. Mais on a gagné peut-être une somme d'argent. Aujourd'hui, peut-être aussi qu'on va perdre cette somme d'argent. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin avec la police qu'on a vu tantôt, là. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Je vais demander une carte en regardant la compétition, l'argent et l'infirmière. Aversion et caché. On a joué dans le caché. Aversion. Là, il y a quelqu'un caché et faux. Voilà. C'est fini, cela. Pourrir. Pourrir aimer. D'après moi, on a perdu une personne qu'on aimait. Dû à toutes ces cachotteries, on a joué dans le caché. Aversion représente quoi? Avoir de l'aversion, éprouver de l'aversion, c'est de la haine, un dégoût. Donc ici, caché, faux, donc c'est en lien avec cette rivalité cachée, cette compétition cachée. On a joué dans le faux pour une histoire d'argent. Et on a fermé la porte à la carte de la pureté et de l'amour. Donc, il y a quelqu'un qui a été manipulé par le serpent. Le serpent qui rivalisait pour une histoire d'argent. On a joué dans le caché, dans le faux. Aversion. Il y a quelqu'un qui hait le mensonge. Oui, aversion, caché, faux. Il y a quelqu'un qui hait le mensonge. C'est peut-être cette personne ici, là, qui voulait prouver une vérité, prouver les faits. C'est ici que je vais m'arrêter. Il y a un éclatement. C'est ici que je vais m'arrêter et bien, je prendrai le temps de lire vos messages. Merci pour votre implication, votre écoute, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. Probablement que vous connaissez l'histoire, vous pouvez sûrement ajouter des éléments. En tout cas, de toute façon, ici, il va y avoir une fin. Loi, règles. Il y a des lois, il y a des règles à respecter. Quelque chose va s'arrêter. En lien avec une ruse, la ruse du serpent, une rivalité, une compétition pour l'argent. Impliquant une personne qui a l'attitude de la soignante ou qui est une soignante, à vous de voir. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.